Présentation et déballage d'un coffret tout mini à l'échelle Z, 1/220 de chez Marklin Z. Oh, c'est super sympa, on voit ça de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans la présentation et le déballage d'un coffret du mini club Marklin Z avec, regardez-moi cette boîte comme elle est toute sympa, toute jolie, une belle idée cadeau, ça fait très Noël avant l'heure. Ce sont des mini coffrets à l'échelle Z en forme de petite valisette. Hop là, regardez comme c'était plutôt sympa à l'époque. Ce sont des produits qui ont été dérivés à l'époque pour certaines marques. En l'occurrence, celle-ci, c'est une marque automobile, Mercedes. C'est un petit coffret complet avec un petit ovale de voie, un petit boîtier pile pour faire fonctionner le tout. Les rails, une locomotive, un wagon à l'effigie donc de la marque. Il en est sorti plusieurs dans le mini club Marklin Z de ce programme. On était plus aux alentours des années 2005, on va dire. On est vraiment dans le rétro vintage. C'est neuf, c'est en boîte. C'est très difficile de s'en procurer, surtout dans cet état-là actuel. On va faire le déballage, la présentation de ce mini coffret et ce qu'il contenait à l'époque déjà. Allez, on se fait plaisir, on voit ça ensemble. C'est le déballage. Bien mes amis, ben voici donc cette belle petite boîte qui fait très cadeau de Noël. C'était vraiment des belles petites boîtes à offrir. Ces mini cups, ces Marklin Z, on pouvait donc personnaliser ici avec le nom de la personne à recevoir donc le cadeau. Nous avions donc un coffret. Alors quelle référence a-t-il celui-ci? Alors c'est en allemand. Donc je pense que nous allons trouver sur la boîte directement après la référence. Allez, on va ouvrir celui-ci. C'était donc des coffrets promotionnels et en même temps c'était ce qu'ils appelaient Fun Start 7 Mini Club. Voici donc la référence 815-20.000. Nous avons à l'intérieur un petit ovale de 34 x 29 cm avec justement de quoi mettre une pile 9 volts, un interrupteur, voilà, à l'effigie donc de Marklin. Regardez comme c'est plutôt sympa, la petite valisette. On pourrait partir n'importe où, franchement, en vacances, en ayant toujours son petit train sur soi bien rangé. Voilà donc cette petite valisette. Alors, quoi de neuf de plus à l'intérieur de notre boîte? Les notices. Voilà donc, je pense qu'il y a de quoi rejoindre le Marklin Mini Club également dans ces notices-là. Il n'y aura pas de roulage, c'est juste un déballage de présentation. On est un petit peu dans la série rétro vintage, ça fait toujours plaisir de voir des coffrets de ce genre. On arrive à en trouver. Les prix à l'époque étaient avoisinants entre 150 et 170 euros pour ce genre de coffret. Maintenant, on peut en trouver à beaucoup plus de 200 euros car on est rentré vraiment dans le côté vintage et collection. Voici donc la notice d'époque. Regardez comme c'est plutôt sympa. On voit vraiment ce côté à emporter partout, voyez. On simule un petit peu que on est en vacances, on a notre petite valisette avec notre petit train et on peut le poser à n'importe quel moment. Et ce qui est bien, c'est que c'est avec une petite pile. Bien entendu, vous pouvez le mettre à brancher sur un transformateur. Cela va de soi. Voilà donc notre petite notice explicative. Notre petit ovale de voie, comment fonctionner, marche avant, marche arrière. Et voilà, donc rien de plus, rien de moins, les notices, l'adhérence au mini club également. Voilà, avec les bulletins d'inscription. Allez, ça c'était donc pour la partie donc document. Nous, ce qui nous intéresse de voir, c'est notre petite valisette toute mimi. Regardez donc celui-ci de coffret est à l'effigie donc de la marque automobile Mercedes. Il en existe avec plusieurs thèmes. Et celui-ci est l'un des plus prisés. Alors, voici donc notre première partie de coffret. Regardez donc notre belle petite locomotive vapeur compagnie allemande. C'est vraiment très joli. Notre petit wagon avec l'effigie avec notre modèle automobile Mercedes. Voilà, je rappelle, nous sommes à l'échelle 1/220 Marklin Mini Club. C'est vraiment magnifique. Nous avons donc ici pour loger la pile 9 volts qui est non incluse. Voilà, avec le câble qui va venir se loger dans le rail
pour l'alimentation, notre toute petite locomotive. Voilà, une petite BR80. Très très jolie. Et ça marche bien. Pour en ayant possédé par le passé, je peux vous dire que ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment bien. En tout cas, c'est vraiment des belles idées cadeaux que ces petites valisettes. Et là, nous avons donc notre ovale de voie. Voici donc les coupons en courbe. Et ici, nous allons donc trouver, bien entendu, vous pouvez agrémenter ce réseau si vous le mettez chez vous, hein, avec d'autres rails de la même marque. Notre rail d'alimentation, où est-ce qu'on vient brancher ben, le câble qui est fourni avec le boîtier pile, un autre coupon pour faire de l'autre côté, et comme je vous disais, vous pouvez l'agrémenter. Voilà donc le contenu, ben, c'est rapide, c'est efficace. Peut-on rappeler l'ovale? Alors, on va pas faire tomber, on va remettre en place ceci pour histoire de tourner la boîte. Alors, notre ovale, rappelons, d'origine, dans la boîte qui fait 34 cm sur 29. Voilà de quoi faire un petit truc sympathique sur sa table, à emporter à n'importe quel endroit. Et bien entendu, quand vous êtes après chez vous, vous pouvez l'agrémenter avec une continuation de rails d'éléments supplémentaires. Voilà donc pour le déballage. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de roulage avec ce matériel. C'est du matériel neuf. Et en plus de ça, on est dans la catégorie assez rétro et vintage. Allez, on se voit ensemble pour en faire une petite conclusion. Bien, vous l'aurez compris mes amis, on est vraiment dans la rubrique vintage, rétro, avec ce mini club Marklin Z. C'est vraiment fantastique, c'est vraiment la petite valisette, regardez ma main, vous voyez, c'est vraiment tout mini, tout rikiki, mais super efficace, c'est vraiment du très bon matériel, on est quand même chez Marklin, ça fonctionne bien, et puis voilà, on peut l'emporter en vacances, on peut l'emporter si on est enfant, ben, chez papy, chez mamie, facilement, histoire de faire du train toujours avec soi, à n'importe quel endroit, et je trouve ça plutôt sympa. C'était vraiment promotionnel à l'époque, dans les années 2005, il y en avait vraiment à plusieurs effigies, celle-ci c'était avec la marque automobile Mercedes. N'hésitez pas à commenter, argumenter si vous avez possédé ce genre de matériel déjà, qui est maintenant donc vraiment rétro et assez vintage. Moi j'aime beaucoup vous faire partager ces genres de matériel là qu'on ne trouve plus beaucoup aux abords de notre marché, donc du commerce ferroviaire. Et c'est toujours sympa d'en avoir pour les personnes qui aiment ce genre de matériel. Voilà mes amis, merci d'avoir visionné cette vidéo. Moi je vous dis à très vite, à bientôt, prenez soin de vous, ciao.